Au sommaire de ce journal, un mois après la rentrée scolaire, le problème d'enseignants persiste dans des localités de Baflabé. Plusieurs écoles ne disposent pas d'enseignants pour assurer les cours. Les détails dans cette édition. La population du Saï dans le cercle de Massina appelle à l'aide pour la sécurisation de leur localité. En marche pacifique, hier lundi, elle a attiré l'attention des autorités sur la situation. Vous en saurez plus dans ce journal. Malgré les efforts des autorités et leurs partenaires, l'accès à la toilette reste problématique dans plusieurs localités des régions de Mopti, Donza et Bandiagara. Les détails dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé totalement votre, le nouveau télé, bienvenue. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite ce lundi matin à l'unité de production de pâtes alimentaires Sonalim SA située dans la zone industrielle de Dialokro-Bougou. L'objectif est d'évaluer l'impact de la décision du gouvernement malien sur la suspension des importations de la farine de blé et de la pâte alimentaire. À Ouassanogo, Zakaria Oumar Keïta pour les détails. Plus d'un an après la mise en œuvre de la mesure de suspension des importations de farine de blé et de pâte alimentaire, le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite à la Sonalim SA pour faire le constat de l'impact de la décision sur la production industrielle et les performances économiques de l'entreprise. Après la visite des différents départements de la société, le ministre Moussa Alassane Diallo s'est réjoui des résultats obtenus par la Sonalim SA depuis l'application de cette décision. Nous avons pris cette décision. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats obtenus. Les emplois sont préservés, les investissements sont garantis. En plus de cela, la production est assurée. Et in fine, l'usine, au lieu de fermer, a recruté 50 nouveaux emplois. Et 100 nouveaux emplois sont prévus pour 2025. L'usine a élargi sa part de marché. Et les perspectives sont assez bonnes parce qu'aujourd'hui, avec la création de la Confédération des États du Sahel, l'usine aura la possibilité d'aller vendre vers le Burkina et vers le Niger. La seule contrepartie que nous avons, que nous attendions par rapport à cette décision, ont aussi été préservées. La première, c'est assurer la consommation, la couverture des besoins du pays en pâte alimentaire. Deuxièmement, stabiliser les prix. Et troisièmement, assurer la qualité de la production. Tous ces paramètres ont été respectés. La Sonalim SA, à travers le président de son conseil d'administration, a une fois de plus remercié le gouvernement pour cette décision salutaire. Aider une branche industrielle, c'est aider l'emploi, c'est aider la sécurité, c'est aider le développement national. Donc ce n'est pas une mesure destinée à telle ou telle personne, c'est une mesure destinée au développement national endogène, comme le ministre l'a dit. Nous, notre chiffre d'affaires, on l'a plus que doublé déjà. L'année dernière, on a vendu 3000 tonnes de pâtes. Au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 7000 tonnes de pâtes. Donc après le 31, on sera à 8000 tonnes de pâtes. Donc c'est le lieu de dire aussi qu'on est toute la coopération de la corporation des industriels de pâtes, nous sommes engagés à trois conditions que nous allons respecter. Il n'y aura pas d'augmentation des prix, il n'y aura pas de bras de qualité, il n'y aura pas de pénurie de pâtes alimentaires au Mali, Inch'Allah. A rappelé que cette mesure de suspension des importations de farine de blé et de pâtes alimentaires intervient à la suite d'une visite du ministre de l'Industrie et du Commerce le 20 juillet 2023 à la société Nouvelle Alimentation Sonalim SA. Et selon le ministre Diallo, la décision a été prise par le gouvernement pour garantir la sécurité alimentaire dans notre pays et permettre aux unités locales de production alimentaire de se développer. Sous embargo des groupes armés terroristes depuis plusieurs mois, la population et les personnes déplacées internes à Saï ont organisé ce lundi 25 novembre 2024 une marche pacifique. Les manifestants ont lancé un appel à l'aide aux autorités pour mettre fin à l'insécurité sans précédent qui sévit dans leur localité. Gabriel Keïta.
La commune rurale de Saïe, dans le cercle du Massina, est en proie à l'insécurité depuis plusieurs mois. Dans plusieurs localités de l'arrondissement de Saïe, les populations vivent sous la domination des groupes armés terroristes. Cette situation a déjà engendré des morts et le déplacement des milliers de personnes. Face à la gravité de la situation, la population de Saïe et les personnes déplacées internes de Saïe ont organisé lundi 25 novembre une marche pacifique pour attirer davantage l'attention des plus hautes autorités sur la situation d'insécurité qui prévaut dans la commune de Saïe. Cette manifestation a vu la mobilisation des chefs de village, la jeunesse, les femmes et les enfants dans la commune de Saïe. Dans leur message, les chefs de village de la commune de Saïe ont lancé un cri de cœur pour la sécurité de la zone sous domination des terroristes. Ils invitent en conséquence les autorités à prendre des mesures urgentes pour sauver les populations qui manquent de tout. Aussi, les manifestants déplorent la fermeture des écoles, l'absence de personnes de santé, le manque de ravitaillement de la ville en arrêt de première nécessité et autres. Les récoltes menacées par les groupes terroristes à l'office du Niger. En effet, la semaine dernière, les accrochages entre les groupes terroristes et les Donzo ont repris dans la zone de Ndebougou, cercle de Nono, région de Ségou. Les Donzo tentent de protéger les récoltes menacées par les groupes terroristes. Les populations appellent les autorités à renforcer la sécurité. Le point avec Alamako Djebaté. Selon une source locale, en cette fin de saison hivernale, les récoltes dans la zone de Ndebougou, dans le cercle de Nyono, se trouvent aujourd'hui menacées par les groupes terroristes qui cherchent à les brûler, ainsi que les équipements agricoles. Dans la localité de Ndebougou, la semaine dernière, il y a eu des affrontements entre les Donzo de la zone et les terroristes. Les Donzo justifient leurs actions par souci de protéger les récoltes. Quant aux terroristes, ils viennent à chaque tentative pour brûler le riz et les machines batteuses si les paysans refusent de payer ce que les terroristes appellent zakat, soit 7 sacs de paddy par hectare. Cette situation est une menace pour la bonne tenue des récoltes et elle est l'une des causes de l'augmentation du prix du riz à Nyono. C'est pourquoi la population de Ndebougou et d'autres localités lance un appel aux autorités pour renforcer la sécurité et leur permettre de faire leurs récoltes. En plus des milliers d'écoles fermées pour des raisons d'insécurité, de nombreux établissements scolaires ne sont pas aussi ouverts à cause du manque d'enseignants. C'est le cas à Bafoulabé et d'autres localités du pays où les populations locales sont obligées de chercher elles-mêmes des solutions. Explication d'Akité Lassina. Près d'un mois après l'ouverture des classes, certaines écoles du cercle de Bafoulabé restent fermées. Faute d'enseignants, les élèves du second cycle de Orokoto, chef-lieu de la commune de Niabia, sont encore contraints de rester à la maison. Selon les maires, la commune ne dispose que 3 enseignants fonctionnaires pour l'ensemble de son territoire. Face à ce manque d'enseignants, certains villages se mobilisent eux-mêmes pour rémunérer des enseignants afin d'assurer l'éducation de leurs enfants. La situation est identique dans plusieurs localités du pays. Kidal se débat contre les difficultés des personnes. À quelques jours de la rentrée, la quasi-totalité des enseignants affectés dans la localité étaient toujours absents, selon les responsables scolaires. L'Académie de Kidal a à sa disposition près de 400 enseignants fonctionnaires des collectivités et de l'État qui sont encore très nombreux à être absents de leur poste depuis une décennie malgré les appels et les mises en garde des autorités. Il faut vite trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement des écoles dans les localités reculées. Actualité dans un autre registre. Une toilette est un lieu central dans la vie de chacun et qui est un espace sûr qui ne doit pas être un luxe mais une nécessité. Car ce lieu est aussi un espace de protection, protection contre nos propres déchets, contribuant ainsi à l'assainissement qui est fondamental pour la santé publique et l'hygiène du milieu. À Mopti, les populations sont sensibilisées sur ces notions et c'est à la faveur de la célébration de la 15e journée mondiale des toilettes sous le thème « Les toilettes, espace de paix ». Moussa Traoré, Soumaïla Aya.
En effet, si disposer des toilettes n'est pas un luxe, l'assainissement est un droit fondamental. Les toilettes protègent la dignité de chacun et en particulier transforment l'existence des femmes et des filles. Il est donc essentiel que la Journée mondiale des toilettes soit une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Une opportunité saisie par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Mopti et ses partenaires techniques et financiers d'organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources. La célébration de la Journée mondiale des toilettes par le Mali, à l'instar des autres nations du monde, vise à sensibiliser le public sur les rôles cruciaux que jouent les toilettes et à encourager des actions ciblées pour relever les défis. Selon les chiffres de la DRACPN, des milliers de personnes dans les régions de Mopti, Bayangra et Douanza ne disposent toujours pas de services d'hygiène de base. Il faut donc agir plus rapidement pour protéger et améliorer l'accès des populations à l'assainissement. Seulement 35% de la population du Mali dispose d'un système d'assainissement et la défécation à l'air libre est pratiquée par 6% au niveau national. À cet effet, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers la DNACPN, a adopté l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté, en 2009, avec l'appui de l'UNICEF et autres partenaires pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Des toilettes sûres pour tout le monde, c'est ce qui peut protéger et améliorer l'accès des populations à l'assainissement et protéger celles-ci contre les déchets. L'absence de telles toilettes au domicile, à l'école, au lieu de travail et dans les nombreuses familles a un impact néfaste sur la santé et la dignité, la sécurité et le développement économique, social et environnemental. Des toilettes hygiéniques et accessibles à tous épargnent à de nombreuses familles les maladies, surtout diarrhées, des petits-enfants. Comme les précédentes, la 5e édition de la Journée mondiale des toilettes a été une occasion pour la DRACPN et la société civile de Mopti de plaidoyer pour faire connaître l'importance des toilettes. La visite d'une latrine mobile écolo de l'UNHCR, la remise de matériel d'assainissement à la jeunesse de Mopti et aux personnes déplacées internes, des sketchs de sensibilisation ont été entre autres temps forts de cette journée. Actualité sur un tout autre plan. Global Platform Mali organise du 25 au 29 novembre 2024 un atelier de renforcement des capacités de ses membres sur le changement climatique et la justice climatique dans un hôtel de la place. L'objectif de cet atelier est de fournir une compréhension approfondie des causes, des impacts et des conséquences du changement climatique à l'échelle mondiale et locale. La Syndiakité nous revient. Le changement climatique est l'une des plus grandes crises mondiales actuelles affectant les écosystèmes, les économies et les sociétés humaines. Cet atelier vise à sensibiliser et à doter les participants de connaissances et d'outils nécessaires pour comprendre et agir face à ces enjeux. Durant les 5 jours prochains, nous allons acquérir des connaissances plus profondes par rapport à cette thématique très importante aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres à travers le monde, parce que c'est la question de l'actualité. Donc, durant ces 5 jours, nous allons profiter de cette formation avec un spécialiste du domaine, ce qui nous permettra d'avoir des connaissances que nous allons aussi mettre en œuvre dans le cadre des activités que la plateforme compte mener. À travers cet atelier, plusieurs thématiques seront abordées pour expliquer les liens entre le changement et les inégalités, en abordant comment les populations les plus vulnérables, souvent celles qui ont moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre, sont les plus affectées par les dérèglements climatiques. Et quand même, autour de ces 5 jours, nous allons quand même voir d'abord les fondements du changement climatique, les fondements scientifiques, quels sont les scénarios futurs. Et après ça, nous allons voir les impacts du changement climatique. Et après, nous allons voir quelles sont les mesures d'adaptation et les mécanismes d'adaptation et l'atténuation des impacts du changement climatique. Et après ça, nous allons voir les concepts de justice climatique, quel est son champ d'application et pourquoi ces concepts aujourd'hui. Et après tout ça, nous allons voir les politiques climatiques au Mali. Quelles sont les politiques climatiques
et comment ces politiques sont financées et mises en œuvre. Et après ça, nous allons présenter le fameux accord de Paris sur le climat et qui a été adopté lors de la COP21 en 2015. Et donc je pense que c'est le document de base aujourd'hui des négociations internationales sur le climat. J'ai remarqué que le taux de participation des femmes est élevé à cet atelier. Et également, c'est une question qui impacte beaucoup l'ensemble des couches, surtout nous, les femmes et les enfants, à travers les inondations récentes que nous avons eu à remarquer de nos jours. Donc, je pense que c'est très important que les femmes participent et qu'elles soient outillées sur cette question. Alors que les changements climatiques continuent de poser des défis majeurs à l'échelle mondiale, la justice climatique devient une priorité pour garantir que les solutions mises en place soient équitables et adaptées aux besoins de tous. Financée par Danida à travers Action Aid, une quarantaine de personnes issues de différentes régions du Mali participent à cet atelier. Ce soir, sur notre plateau de JT, nous recevons l'ambassadeur de Palestine, doyen du corps diplomatique, Hadi Chebli. Avec lui, il sera question de l'organisation du bazar diplomatique du club des ambassadeurs et consuls accrédités par le Mali. Première édition prévue pour le 30 novembre 2024 au CICB. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. Donc, merci pour l'invitation et merci encore pour l'intérêt que vous accordez à ce bazar diplomatique qui va se tenir le samedi 30 novembre au CICB à Bamako. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le bazar diplomatique? Un bazar diplomatique peut se définir comme un endroit où les diplomates accrédités ici au Mali peuvent partager, échanger et même exposer leur richesse culturelle, économique et à la population malienne. Donc c'est sous forme de foire. Oui, sous forme de foire. Et l'idée, pour vous dire la vérité, est initiée par le club des ambassadeurs et consuls accrédités et auprès de la République du Mali. Et l'idée est venue suite à une réflexion commune qui nous a amené à décider de faire un bazar diplomatique, comme on a découvert qu'il n'y a pas eu auparavant un bazar diplomatique qui a été organisé ici au Mali. Et justement, j'allais en venir. Pourquoi avoir attendu jusqu'en 2024 pour pouvoir organiser cela? Pour vous dire la vérité, peut-être l'idée n'a pas été prise ou tenue par les collègues qui nous ont précédés ici. Mais nous sommes convaincus que le bazar diplomatique, ça permet, comme je vous ai dit, non seulement de faire découvrir la civilisation, la richesse des pays accrédités, mais aussi de faire que de créer un lieu où des liens peuvent être établis de manière directe entre la population et les diplomates accrédités ici au Mali via l'exposition et de tous les produits à cette population qui nous espérons qu'il va venir et nombreuses pour découvrir la culture, l'économie, la civilisation de ces pays. Et aussi, ça va être une découverte gratuite, si vous voulez, parce qu'un Malien ne va pas être obligé de se déplacer ou de voyager à l'étranger pour connaître l'autre, parce que l'autre est venu, lui exposer sa culture générale, sa richesse et culturel et son savoir-faire et sa nourriture, sa fabrication, et qui va aussi, comme je vous ai dit, renforcer la coopération et les relations bilatérales, non seulement sur le niveau officiel, mais également avec la population malienne. D'accord. Sûrement, vous attendez des invités, d'autres diplomates. Pouvez-vous nous en parler? Oui, avant de parler de ça, je voudrais remercier les autorités maliennes. D'accord. Qui ont manifesté un engagement sérieux quant à la tenue de ce bazar diplomatique.
Et là, si vous permettez, j'adresse un mot de remerciement et à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui, dès que je lui ai exposé ou parlé de l'idée d'organiser ce bazar, a tout de suite dit qu'il faudrait qu'on l'organise. Et comme c'est plus ou moins culturel, il faudrait que ça soit organisé avec le ministère de la Culture. Et d'ailleurs, on a fait toute la coopération avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat sous le haut parrainage du ministère des Affaires étrangères, étant donné le ministère des Affaires étrangères. C'est le ministre en charge de relations internationales du Mali avec le reste du monde. Puisque les autorités maliennes sont associées à cet événement, est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième édition pour l'année prochaine? Bah, écoutez, l'intérêt existe, que ce soit du côté des autorités maliennes ou de corps diplomatiques accrédités ici à Bamako. On espère avoir non seulement une deuxième, mais aussi d'avoir le bazar diplomatique s'organiser chaque année davantage. Et c'est-à-dire parce qu'on a commencé maintenant, on a la participation de plus ou moins 23 ambassades, et c'est-à-dire plus que la moitié des ambassades. On a la participation des entreprises privées, que ce soit des entreprises maliennes ou étrangères. Et là, si vous permettez, je voudrais citer de l'entreprise SADA, et ici au Mali, la société SADA, qui est une société de l'ancien footballeur malien Sédou Keïta. On a aussi la société Kabal, la société Diabé de distribution, et également le Japan Motors, qui représente Nissan et des voitures chinoises vendues ici. Cela, bien sûr, sans parler des entreprises des États qui seront présents à l'occasion. Un rendez-vous à adresser aux Maliens qui nous suivent à présent. Ben, j'invite la population malienne à venir en masse le samedi à partir de 9h au CICB pour voir les stands. On a plus ou moins 50 stands entre ambassades et entreprises. Et parce que via la présence malienne, et qu'on peut dire qu'une deuxième, troisième, quatrième et même cinquième édition va être organisée ici au Mali. Et comme j'ai dit, on attend la population malienne, parce que l'objectif, c'est de montrer aux Maliens que nous sommes de leur côté, que nous sommes présents, qu'on souhaite leur présenter. C'est ce qu'on peut. On n'a pas présenté auparavant, parce que l'État connaît les actions menées par toutes les ambassades, mais la population ne connaît pas. Et ça va être un lieu pour faire découvrir non seulement l'étranger pour les Maliens, mais aussi le Malien pour le diplomate accrédité ici. Et si j'ai une chose importante à dire, que tout l'argent qui va être collecté, que ce soit par la vente de tickets ou la location des stands pour les entreprises privées, que ce soit maliennes ou étrangères, vont être utilisés pour faire une action humanitaire qui vise directement la population malienne. D'accord. Une fois qu'on a la somme totale, on va décider où intervenir, soit par une aide présentée aux déplacés maliens, ou soit par une aide destinée à un hôpital malien, pour dire aux Maliens qui nous sommes là, notre travail n'est pas seulement un travail purement diplomatique, mais dans la diplomatie, il y a aussi la diplomatie populaire qui va être traduite par l'idée de la tenue de ce bazar diplomatique. Et là, j'insiste, pour la première fois ici au Mali. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de Palestine, Hadi Chebli. Avec lui, nous avons eu à échanger sur l'organisation du bazar diplomatique du Club des ambassadeurs et consuls accrédités par le Mali, première édition qui est prévue pour le samedi 30 novembre 2024 au CICB. Le rendez-vous est donc donné à tous ceux qui nous suivent à présent. Merci beaucoup. D'accord. Et nous poursuivons avec ce journal. Abdoul Kadir Dramé, âgé de 8 ans, élève au Médersa franco-arabe Zakaria, résident à Boulkassoumbougou, fils de Abdoulaye Dramé et Zinab Traoré, est actuellement ici au sein du groupe Renouveau Sizami Sabougou. Pour toute personne qui connaisse Abdoul Kadir Dramé, sont priés d'appeler les numéros suivants. 71 45 45 26 ou le 76 76 23 00. Ainsi, prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.